Pour les gens qui ont pu écouter, ils pas accès à ça. Non, faut payer. Ou pas accès, ils pas accès à du tout. Et ou à l'hôtel là, ils pas accès à tout. Ou à sous site côté à faire toute activité, ils pas accès à. Par exemple, moi même pensé m'te ka relé par exemple de Dubaï étant l'été là-bas. Mais m'pa ka relé parce que ou pas ka faire appel direct, yo pas permettre qu'on fasse appel là sur WhatsApp. Yo pas permettre qu'on fasse appel là sur Facebook. Yo pas permettre qu'on fasse. Qui j'en fais appel là finalement? Hein? Non, pas grand, pas appel ou ka voye voice. Ou ka voye voice ou ka écrit. Yo juste pas permettre qu'on fasse. Et m'ta le Cuba à une certaine époque, pas permettre que moun font ensemble de bagaille. D'ailleurs même internet là pas disponible, c'est son place publique pour aller. Pendant le temps déterminé, il y a un wifi, après ça, il y a un coup de belle. Bon, Dubaï là pas mal quand même. Que, bon. C'est vrai que c'est loin pour arriver juste Dubaï là, pour avoir le tout du monde. Pour avoir une information. C'est son problème. C'est Jean Abdila, l'État n'a pas contrôlé. Mais l'État en Haïti n'a pas contrôlé rien. Donc l'État en Haïti n'a pas une loi, par exemple, qui fait sur audio. Nous avons des gros grèves, nous avons fait une diffamation. Bon, nous avons des lois sur diffamation, mais nous avons tout ça là-dedans. Oui, question numérique. Et c'est les sénateurs qui disent loi email là. Donc, c'est la dame qui dit email. Bon, si mon petit qui va à l'école qui dit email, c'est la dame qui dit email. Comment est-ce que vous avez choisi? Qui est le nègre là en fait? Je ne sais pas. Ok, donc loi email là va passer. Nous pas rien sous ça mal. Kounya ça veut dire la difficile pour l'État faire quoi que ce soit. Femme. Et moun qui là aujourd'hui à tout, est-ce que au calé vont pas tout, il a dit pour décret sous ça. Hein? Et c'est Ariel qui a pour décret sous ça. Est-ce que problème son bagage? Depuis l'État vli, quand gros problème de société, on matiné au nom de l'intérêt général du café. C'est-à-dire, c'est ou absence de compréhension, je ne peux pas parler de l'État. Non, je ne peux pas parler de l'État. Je ne peux pas parler de l'État. Parce que non. Alors, au gouvernement, là, parce que l'État est permanent, le gouvernement est provisoire, passager. Je connais, il faut qu'il y ait légiféré sur l'État. Mais dans mon avis, là, dans une situation, ça, nous parlons pas le monde. Oui, mais c'est le pas le fait. C'est un décret. C'est ça que je demandais, est-ce que Ariel, quand on décret sur ça, parce que c'est la torsie de vos piles de crêpes. Mais justement, oui, si, pas c'est ça. Si le cas résout un problème de société. Ça, il ne doit pas. Non. Il est capable. Vous comprenez? Il ne doit pas. Il est capable. Non, mais. Ariel Bamounza, tout. Non, mais non, c'est ça. C'est ça. Ou absence de. Ou incompréhension, ou absence de volonté, etc. Pour résoudre, c'est le problème. Non, l'aide de Bamounza, ça veut dire que Ariel n'a pas vu une bravade. Et pour société. Non, mais c'est Samdou. C'est comme nous. Ariel, son citoyen. D'accord, avant sous ça, oui. Son citoyen qui, comme si, il est là pour faire obstacle à la loi. Oui, alors. Ou de la même dirigeant, son hors la loi. C'est un nègre qui, bah, loi, il pas la donne du tout. Bon. Donc, ouais, il tape une enquête sous l'embon président, il cite non, il est évoqué comme ministre gouvernement, le premier ministre là, et vous l'avez nommé, monsieur le bail. Vous regardez pas CSPJ là, ouais, monsieur Campan quoi? Qui compte le jeune proviseur légal? Ouais, monsieur Campan quoi? Selon qui article, monsieur Balé, Founi, j'ai gardé, il faut se le bail. Non, mais il y a un autre bail pour nous garder. Moi, je pense que, ou prenez là ça, si vous prenez sur notre angle, pour moi-même, docteur Ariel Henry, son est cap manger pour le gras pour le mourir. Il va le bail à venir, comme si après, comme si il va prendre un décret pour demain, pour deux, comme si pour 2 ans, 3 ans, 5 ans. Non, c'est affaire ouval. Qui ça empêche le vol? Pas seulement sous ça. Dis-moi qui ça ou connaît, monsieur fait dans santé. Santé. De même que l'évolué la donne, même pas de la donne ni plus fort. Oui, c'est la donne des étudiants en France. Et bien, il est santé. Non, mais dans le domaine ça. Qui est-ce? Tigre, mon monsieur pipi sous lit. Ah, ok. Je la dégoûté. Ça, c'est comme ça, monsieur a dégoûté. Bon, et moi, même tout, je vais vous dégoûter. Comme vous l'avez fait, ça m'a. Ah, là, j'ai dit, bon, monsieur, c'est sous chaise ou là, là-bas, monsieur. Oh, bien, monsieur, campé, papa. Il faut campé. Le général, il dit, je suis le ministre. Oui, mais monsieur, 40 secondes après ça, il va avoir ses chaises à l'aide, monsieur. Donc, de toute façon, vous me lancez de mon gars dégoûté. Si monsieur, t'es vraiment, t'es bon projet, bon, monsieur, comme jeune garçon. Leur nom domaine, ou pas quel projet. Comme si vous faites études, ou allez étudier en France, et vous avez un nom qui plus qu'on est dans le domaine pour l'an. Attends, comme si pour le premier ministre Ariel Henry, pas gagné. Quel te gagne comme projet? Je veux dire, maintenant, niveau d'avévolution. Niveau santé. À travers. C'est professeur lui. Si vous me dites là, c'est d'ailleurs c'est professeur lui. Donc, comme si lui est un professeur, vous avez tête ensemble pour faire un domaine santé.
et vous comme si ou pas Ariel Henry son nèg a mangé bon d'ailleurs ouais figure la fait été c'est monsieur a mangé pour le gras pour moi donc après ça si monsieur t'a brigla fait pays monsieur t'a poser des décisions vous comprenez pour monsieur bon bravo exemple bicep c'est alors ces trois bagages là manger pour le gras mais avant de mourir pour le cob et puis vous quittez un paquet de cob marron pour qui est parce que qui ça ou bien monsieur le premier ministre li gen bay la présidence semaine l'objet pour le ministre intérieur parce que l'un de le ministère ça gen bay li gen pour faire pas gen faire mais qui ça oui est-ce que tande c'est employé ou bien ou tande mairie jeune touché c'est quoi ce petit cob qui te gen dans collectivité pour collectivité pour ministre c'est lui même cap gérer comme ça connait sortant de favelle c'est 26 mois à 36 mois mairie pas jeune touché non et mako pendant pour ministre Ariel venir là mais qui est 26 mois il est 6 mois donc sous le niveau ma chambre de mairie ça va nous mettre là c'est monsieur qui premier ministre c'est monsieur qui président c'est monsieur qui ministre intérieur bon bah gagne tout bon en demain attends ou bien son est cap manger cap faire comme pour nous on dit tout bah Ariel non cas de pays Ariel de une pays à tout passer bon il va sauver l'homme alors rien cela rien bon cela rien pour le bail comme nous bagaille mon tête calé de sous pouvoir là bah il va dégringoler on va faire rien mon qui était dans l'opposition à André Michel là. Jodi a pris le pouvoir. Il était participé dans le pays à tout. Jodi a ou est bon pile cap plein, il va arrêter la caillou parce que bandi prend zone yo, alors que il était bandi bandi zam pour camper des barricades. Non, il va venir sauver pays non. Et en pile là yo, zam et zam était bandi bandi pour camper des barricades là, il clever contre yo. Non mais équipe ça, c'est réparation la fait jodi en fait là, il a préparé tout ça, il était perdu. Il a préparé tout temps derrière pour te faire comme, il pas te faire comme. C'est réparé, il a préparé là mettre là. Alors, tu as préparé tout ça chez nous, tu es gâté. Bon, on a dit si gouverneur André Michel a préparé tout ça, puis HTK a écrasé, je vous dis, comme nous, on a dit, il n'y a pas de réparer, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de famille. Dieu n'avance. Dieu n'avance. En tout cas, c'est ce que vous voulez résoudre. Nous n'avons pas de invité. Val. On ne peut pas, non. Oh. Kodo, voilà, même. On va éviter de la guerre, on va éviter de la guerre. Bon. Et M. Gédéon. Non, M. Gédéon. Gédéon parmi les invités. Au prénom de M. Gédéon, à l'ambaoué, il y a écrit rapport sur le massacre. Et encore. Massacre. Sous-jovenel, il y a écrit baïsa en pile, oui. Non, c'est interdit. Sous-jovenel, monsieur. Gouvernement, ça a interdit. Temps en temps, oui. Temps en temps. Non, l'interdit, baïsa. NDDA, j'avais FJKL écrit en. Rapport sur massacre. Il y a un vite tout. Non, laisse ça mettre pas 17 ans. Je dis, c'est l'avocat tout négus. Je dis, on va écrire, monsieur. Mais c'est l'avocat. C'est toi, avocat tout négus qui est cité dans la corruption. Ça, mettre là. Ça vous le dit. Vous êtes mouillé sur les lavages. C'est pas 17 ans. Ça vous le comprenez. Ça vous le comprenez. Ça vous le comprenez, monsieur. Après, moi, ça va disparaître, monsieur, massacre là. Nous avons amour, société à développer pour. Les régimes de transition, les pouvoirs de transition. Gardez bien. C'est sérieux. Non. Bon, c'est là mon déception pour me dire c'est Michel de la Talaye. Oui. Pour ma vindi de ma elle n'est pas maîtrisé. Non, pas. Tonne. Oui. Nous avons côté de vous aller là. Jusqu'à présent, moi, contre conception ça. N'a dit que faut que vous mettez la constitution bon moment de transition. Je disais que, et je le redis, Haïti débat. L'État, dans son essence, il est marqué par la stabilité. Donc, mettez en disposition constitutionnelle pour permettre une transition à chaque moment. C'est contraire à l'idéal étatique. C'est contraire à l'idéal social. Parce que justement, un État, c'est contraire à la constitution. Soupermettre ça. Moi, qui aime et opinion, fais ça, campagne, mettre fait. C'est contraire à la société parce que. Pour gagner développement économique, social, pour gagner progrès, il faut la stabilité. Val. Il faut la permanence des institutions. Val. Pour ces juristes, tout à l'heure, on t'a parlé de loi. Yeah. Pour reprendre les nécessités. Justement. Loi et tout,
il n'y a pas qu'à contraire à mode de fonctionnement mounio. Ah, réguler on va dire. Oui, mon cher. L'Ohio, c'est... Il résout le problème, tu l'as dit tout à l'heure. Parce que, Bamdou, il me songe, première fois, il me dit, bah, ça là, où t'es tiré bien. Non, mais juste, il s'est dit... Non, il dit que, peuple haïtien, son peuple qui semble allergique, vous me donnez moi, oui. Exactement. C'est mon peuple qui est allergique à pouvoir élire sa transition. Ah, jusqu'à présent, moi... Et je dis, on dit, en comptant notre vie. Non, son amour, c'est plus fort. Son amour. Maintenant, si problème ça existe, tu vois, bon, Mexicain, pas besoin, bagage. T'as une question, oui, mais quelques secondes. Question à poser dans là et des solutions pour que peuple allergique avec pouvoir élu ou bien la démocratie donc, société a société a bon ensemble de problèmes Haïti débat et ça son va que m'aborder dans cadre mémoire des autres en sciences politiques c'est parce que justement tu as abordé tant tu as écrit pour le pays mais justement le mémoire est là l'écrit est là attention c'est parce que justement c'était ça mon hypothèse ou bon en situation côté que le pays est instable toujours gagner des crises post et préélectorales c'est parce que justement ou adopter un régime qui est un régime démocratique, une culture politique qui prend pas lui-même. La culture politique démocratique. Et il y a même des auteurs qui parlent de l'éducation démocratique. On m'attend à Nussbaum, par exemple. Son philosophe américain, il parle de l'éducation démocratique. Donc ça veut dire, et il y a avancé pour dire que l'éducation démocratique, là, il y a des disciplines qui sont liées à type d'éducation, ça. C'est ça les comment les ça même bon en tout cas bamzio c'est la littérature la philosophie l'histoire etc on parle du comportement haïtien justement mon cher ami le fonctionnement des haïtiens justement mon cher ami et comme ça nous avons problème, culture comme ça pose problème maintenant une culture antidémocratique c'est ça que fait notre travail ça nos campagnes vous entendez c'est ça que fait non développer tout en sous section on dit qu'on tout en nécessité pour nous rentrer dans le processus de re-socialisation. Et je dis toujours ça ici à là. Parce que nous avons un peuple qui a une culture antidémocratique. Qui n'est pas carrière au formel. Comme si c'est pour rien. Pour que ça nous ait forcé. Pour que ça nous forcé. Justement, ça nous a forcé. Il faut poser cette question. 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 Il y a un gouvernement, un pouvoir élu. Organise droits humains, vivant. Ils existent, ils ont fait tout le bagaille. Quand des transitions, ils ont été écrasés. Mais c'est dans les timos, ça m'a dit, il y a un massacre. En tout cas, mesdames, messieurs, attention. Massacre d'État. C'est pas le rapport qu'on met écrit sur massacre d'État. Vous avez besoin de la massacre d'État. Par contre, ça va me baiser. Oui, non, mais t'as pas de zoubala. Non, c'est ça. Ok, mettre la guette à aller. Est-ce que mettre là? Non, mais. T'as pas de recherche, mettre là. Oui, la recherche, mettre là. Non, ça me t'a pas dit tout à l'heure, c'est que. Je pense que dans le même dossier, ça. Tu as un peu d'organisme de droits humains qui t'est perdu. Et ils font plus de rapport. Mais il y a un pile dans le tout qui te fait effort. Bah, il a passé à ce que tu as fait pour sortir. Exactement. Avant, je disais que tu es connu de la visée. Oui, maintenant, 4. Je dis en bas de du tout. 4 qui sont centres d'analyse et de recherche, tu es toujours même intéressé avec conseil de l'autre sujet. Ils ont fait un rapport tout. Mais ils ont intéressé en ensemble de l'autre sujet qui est capable d'éclairer l'entière population. Et on voit que depuis dernier temps, ça là, par exemple, 4, c'est un dans l'organisation des droits humains qui travaille en pile sous question de sécurité, qui sont kidnappés de temps en temps, les bons bulletins qui sortent, et même pour les questions de sanctions. Donc, il y a un bon genre au Gadel pour analyser et puis pour partager avec nous. Mais comme nous n'avons pas de questions de le comportement du peuple haïtien, de la société haïtienne, qui est antidémocratique, et tout à l'heure, nous avons dit que loi est venue pour résoudre le problème. Val. Justement. Tu l'as dit tout à l'heure. Et si problème, transition ça, nous voyons que c'est amour ça.
peuple a développé avec, est-ce qu'il faudrait-il pas réfléchir, écoutez, est-ce que, non, t'as des vagues. C'est contraire au principe de la permanence, ouais, ouais, de la stabilité de l'État. Dictez par qui, hein? Dictez par qui. Dites non, mais moi, voilà. Dictez, cher ami. Donc, par les grandes c'est-à-dire que, si vous dites à l'heure, vous êtes là qui fait nos séries pour un pays, mais qui pas adapté à la réalité, nous. Ok, il n'est pas adapté. C'est là que je vais mettre un jeu de oui, oui, oui. Ça m'a dit, pas quel expert qui a dit le contraire. Ah, quel expert. Au nom de la permanence de l'État, au nom de la stabilité de l'État, ou pas capable de faire un pays pour mettre en période de transition. Mais justement, quand on parle de réfléchir, je fais une maîtrise. Non, mais. Maîtrise en sciences politiques, en droit public et sciences politiques. Je continue à réfléchir. Je fais mémoire de l'histoire. Pas qu'à dire non, mais justement. Non, comme. Justement, mon appel. Non, ah, non, mais. Mais j'ai le bonsoir à l'enfant. Allô? Ah bon? Et, vérifiez. Bon, vous l'avez. Non, c'est ton téléphone, vérifiez. Ah, allô? Mais j'ai le bonsoir. Et est-ce que son problème. Gardez-le pour moi? Est-ce que c'est connexion? Bon? Connexion. Allô, allô? Ah oui, Lila. Ya. Allô? Oui, allô, M. Généon, nous t'en oublions, vous n'y a. Oui, eh bien, bon salut, Val, compagne, bon salut, GPPC, bon salut, Branco. Et là, son débat qui est assez intéressant, et ça montre vraiment intérêt que nous gagnons dans la question de société, des questions qui ne paraît complexes et qui montrent que des nécessités pour une approche interdisciplinaire, et moi c'est ça qui a fait dans l'émission, hein, je tiens là, à côté que nous, chaque qui verse dans un domaine différent, nous c'est journalistes, et là nous jeunes l'autre. Donc c'est important, on a porté contribution, nous ne pas chercher bien raison, mais on a regardé pour nous être capable de porter des éléments d'éclairage et susciter votre acteur intervenu. Et c'est surtout là que moi me trouvais, j'ai un peu d'intérêt. Un débat très très passionnant et qu'en fait je tiens là. Très bien, Maître Géléon Jean, en fait, nous avons fait débat là où tu étais en sous-sam d'Avel, mais nous avons gardé surtout côté que Présimenté s'est questionné ça et en plus le monde a questionné ça. Enfin, la présence des organismes de droits humains qui, à un moment donné, étaient toujours écrits sur, en question de massacre qui a fait ce peuple là, dans la Saline, dans Bel Air, et actuellement, qu'il y a monde qui dans zone titanien sous ce mat là ben pile déplacé on parlait de environ 200 000 plus que 200 monde qui mourit et plusieurs informations circulaient. Maintenant m'étais essayé de comprendre que cadre toujours font effort pour le prendre recul par rapport avec un ensemble de sujets d'actualité que monde peut bouger sur parce que c'est analyse qu'a fait. Est-ce que déjà dans le cadre gagner des analyses qui faites sous dossier sous ce matelas et avant que nous allions dans l'autre dossier qui je dis là gagner deux mouvements n'importe où prince peuple haïtien qui eux même font camper et puis ils viennent avec un mouvement wash maman bien sûr comme institution de droits humains nous toujours travaille sous de situations sérieuses, côté que nous documenter, nous produire des analyses. Nous-mêmes, en particulier, dans le Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, nous faisons documentation, mais nous surtout faisons analyse
pour permettre de comprendre une série de phénomènes. Parce que au-delà de dénonciation, yo, qui c'est ça que nous-mêmes, dans le cadre de nous, il y a une démarche entre guillemets classique de toutes les situations de droits humains, yo. Mais nous-mêmes, nous avons une logique détecteur également, et nous comprenons ce que ça veut dire. Leur fonctionner en Haïti parce que la situation a affecté tous les secteurs, tout le monde, y compris les, nous-mêmes qui sommes journalistes. Ce n'est pas toujours facile, mais nous continuons à faire travail. Nous-mêmes, j'ai entouré l'autre institution de droits humains au faire. C'est vrai que nous n'avons pas nécessairement gagné même angle, gens que nous avons question, nous n'avons pas nécessairement fait même travail. Mais approche complémentaire. Et nous-mêmes, nous sommes dans la complémentarité. Ça veut dire que c'est poté en plus par rapport à ce qu'a fait. Donc, ensemble de jury, massacre ou d'arrêt ou violation systématique de droits humains qui a posé dans le pays, oui, nous documentons, nous analysons et nos différents rapports les disponibles sur cet état-là. Et nous-mêmes, en particulier dans le cadre, nous travaillons sur des thématiques. Qui comporte l'académie, nous pas seulement une institution qui l'a pour dénoncer les violations de droits humains. Non, nous-mêmes, nous allons au-delà de ça, puisque pour nous-mêmes, le principe de travail, c'est que droits humains sont garantis dans l'état du droit. Et ça, ce n'est pas nous-mêmes qui inventons le niveau du cadre, mais nous tirons de, particulièrement de la déclaration du programme d'action de Vienne, qui est son document qui sortit dans la deuxième conférence mondiale sur les droits humains, côté que document ça a établi une corrélation étroite entre droits humains et état de droit démocratique. Ça veut dire que pour droits humains garantis, fort ou non état de droit, en l'autre état de droit, pour nous, on parle de décision, et ça que c'est en Haïti, droits humains pas garanti. Mais il y a une raison qui explique ça, c'est qu'il y a un état de droit. Parce qu'on nous pose une question, l'autre droits humains. Qu'on question que nous tout à répondre bien facile, c'est droit que tout le monde gagne. Droit humain est à résumer à, par exemple, lorsqu'on mourit, droit humain d'abord, si nous avons parlé de trois générations de droits humains, ou que la première génération des droits de l'homme qui regroupe les droits civils et politiques, quand on parle de première génération, nous parlons du droit d'application immédiate. Ça veut dire que le droit que l'État doit garantir immédiatement. Par exemple, le droit de participer aux affaires publiques. Droit pour élection faite pour citoyens ou nouveau personnel politique, par exemple, droit de manifester, etc. Les grandes libertés, ouais, la liberté d'association. Donc, bref, droit ça rentrer dans la première génération des droits d'application immédiate. En deuxième génération du droit, nous relais les droits socio-économiques et culturels, droit à l'éducation, droit à une alimentation suffisante, droit au logement décent, etc. Et puis, qu'on troisième génération qui est capable de considérer comme on sort deux gratis mélanges de deux droits à l'eau, de droits à un environnement sain. Donc, droits humains, contrairement à ce que vous pensez, c'est pas seulement la dénonciation, c'est trois générations de droits à l'eau, notamment gagner les deux premières générations qui c'est des droits effectifs, parce que non seulement gagner deux conventions, deux traités, deux pactes, mais au bien de l'instance, lorsqu'il doit avoir violé ou capable de porter plainte à l'échelle internationale, soit au niveau des systèmes internationaux, c'est-à-dire au niveau du système international, c'est-à-dire les Nations Unies, ou encore au niveau des systèmes régionaux, tels que, par exemple, le système européen, le système américain, le système africain. Donc, troisième, droit de l'homme, dans son champ qui est vaste. Deuxième élément, droit de l'homme, son domaine académique pour étudier à l'université, ou faire licence, ou faire master, faire doctorat, etc. Donc, si vous me dites que le droit de l'homme est vraiment vaste, c'est vrai que il y a un ensemble de droits qui peuvent être plus sensibles, mais le droit de l'homme, il est vraiment, il rentre dans plusieurs champs et il est interdépendant. Ça veut dire que respect, une réalisation, une dépend de respect. Donc, nous-mêmes, dans notre cadre, ce n'est pas seulement la dénonciation que nous faisons. Nous, non logique de texte, qui garde un bon exemple, que Val te soulever, que Champagne te soulever. Nous avons des thématiques que nous-mêmes nous écrivons, pas nécessairement, j'ai bien dit, pas nécessairement tout le monde écrit sur nous. Par exemple, mandat constitutionnel présidentiel. C'est la première institution qui écrit un document de étude qui écrit, par exemple, mandat constitutionnel présidentiel président Jovenel Moïse dans le 17 juillet 2021. Maintenant, après, je ne suis pas le juriste qui réputé, par exemple, mais ce n'est lui qui écrit sous ça, Madame Maniga, mais c'est pour créer, c'est pour montrer nous-mêmes dans le cadre, souvent introduit une série de dossiers
que nous disons ça, nous demandons un point de vue académique, l'État. Nous réunissons plusieurs experts sur ce question, nous consultons, nous traitons. Par exemple, le deuxième dossier que nous traitons, c'est mandat. Par exemple, c'est la seule institution qui écrit ou qui prépare une étude sous mandat d'un tiers sénat qui explique que mandat finit 7 février 2023. Ok, et c'est rapport ça, par exemple, de grossisse internationale, c'est propre pour à comprendre la question mandat. Là, nous pas la question politique, notre question purement technique, on ne peut pas du contraire, mais point de vue cadavre documenté, un pote troisième exemple. Très bien. Maintenant, merci aux gens. Si vous permettez, moi, c'est que moi, j'ai lancé cette question tout à l'heure, parce que si on a un dossier que, en plus, le monde a un plus de détails sous lui. Mais très souvent, organisateurs de droits humains, lorsqu'il y a violation des droits humains, ils gagnent plus de détails. Est-ce que vous êtes capable de partager avec nous ça où qu'on est, si vous déjà fait une enquête déjà, sous massacre, bon, on ne peut pas dire massacre, sous ça qui a passé dans ce matin-là, il y a tout petit population, il y a des milliers de déplacés, nous recevons visite déléguée départementale de l'arrondissement de la CAE, magistrat au palais de ça, donc à CAE chargé moun, cabaret chargé moun, moun a couru, moun pas arrêté, qui ça cadre dit nous dans le dossier ça? Bon, nous avons documenté et question ça, maintenant, parce que jusqu'à présent, son côté n'est pas accessible, parce que nous-mêmes, ici, sont des droits humains. Elle n'est pas aussi facile pour nous tous, mais nous continuons ce travail. Nous travaillons sur cette question ça. Par exemple, jusqu'à présent, pas bon ici, sur qui a dit combien de monde vraiment qui mourit sous ce matelas, mais nous-mêmes, au niveau du cas, toutes les formations, nous, jusqu'à présent, gagné un. Au moins 150 à 200 personnes qui victimes. Parce que la réalité, c'est que sous ce matin, même papier, c'est le troisième attaque qui fait. Et attaque, ça a été bien planifié par rapport avec les citoyens qui ont organisé en brigade de Boa. Parce que après la première attaque-là, donc citoyens ont même été regroupés en brigade et ils ont été appuyé aux autorités locales. Il y a eu des ensemble de Paris, qui a été très pour empêcher et monsieur Terrain. Bon. Maintenant, bon, je ne vais pas dire tout ça, je ne sais pas si on a documenté sur eux, mais t'as semblé que ensemble des citoyens qui étaient regroupés l'autre pouvoir pour prendre défense sur eux, eh bien, moyen que vous gagnez, t'as semblé devenir très limité. T'as semblé tout, t'as des pressions qui fait sous yo pour ta remettre des barrages qui ont été pour te faire autodéfoncement, que Boka a dit toujours, vine fait que, vine gagner en pile, ou qui a commencé spectacle à l'on barrage quelques jours après, et ça fait. Mais c'est de la bataille, là, c'est gardé. Mais en termes de première donnée que nous avons partagée nous-mêmes dans la date, parce que pas le monde qui est exact, mais nous-mêmes nous connaissons que nous avons 150 et 200 personnes qui disparaissent et qui massacrent, et puis un monde qui disparaît également, et un pile qui a boulé. Donc jusqu'à présent, pour qu'on ait l'État qui prenne contre la situation, pour qu'il y ait un monde qui est capable de rentrer, puisque Bandi arrive vraiment contrôler. Zone là, il y a eu des placés chefs, il y a eu des lèvres, c'est même dans ton compagnie de sécurité. Donc, situation vraiment complexe et l'autre bois. Ça veut dire que nous ne pouvons pas capables de sortir un bilan exact, parce que nous-mêmes, je sais que nous disons ça, nous-mêmes, au-delà de taux des chiffres, nous-mêmes, nous avons fait analyse pour nous comprendre que ça a expliqué que je dis, eh bien, au moyen, Kernio cap continuer pour un territoire, par exemple, là, sur la zone métropolitaine du Port-au-Prince, c'est en moyenne 60% de territoire qui est contrôlé dans des points un peu plus stratégiques, ça qui vient paralyser et vraiment le fonctionnement pays, fonctionnement société, et au grand pile violation de la monde. Et je vous dis, on l'a dit paramètre qui est inquiétant, que nous souhaitons que nous-mêmes nous essayions d'analyser ça. Ces populations, je dis, ça prend revanche, ça parmi de machettes, de armes, de toutes bagarres, pour prendre revanche, et ça commence à le faire. Soit regardez par exemple, soit dans la zone la boule là, et bien, et pratiquement, il y a un petit matac là, son bagage qui est vraiment anéanti, mais gagné à peu près 80 soldats qui déjà mouillés, incluant 14 présumés bandits qui ont été exécutés, qui ont été lynchés, et zone commissariat de Canapé-Vert, mais c'est même un petit matac là, ça semble qu'il était déserté. Donc, c'est là avec une prochaine intervention. Vous parlez au chiffre là qui est important, maître Gédéon Jean. Vous parlez de 80 au total, 80, c'est ça?
Non, pour gang Timakak là, il y a à peu près 80 membres que la population globalement hein, et exécuté, donc son gang qui est dissocié. 80 carrément. 80 mètres Gédéon. Non, moi dit que par exemple pour gang Timakak, il y a environ 80 membres qui déjà exécuté. Oh. Selon dernier donné que n'a pas documenté par gang ça dégue tout le monde ça yo. Gang la dégue tout le monde ça yo. C'est ça qui donne non moi même. Non, mais non. On va dire ça même pas penser que gang tout le monde ça yo. On va nous mettre nous mettre là même. N'est pas gang mais c'est gang qui est dans le jeu. Quel gang qui a craqué, quel gang qui est ça même. OK. Alors, chiffre, je nous dis là, il n'y a pas qu'à exact. Et puis, gang, ce n'est pas seulement on dit bien ZAM, non, on gagne son infrastructure qui est là. Pourquoi nous faisons cette politique? Très organisé, moi d'accord. Justement, ça veut dire, l'on gagne pas du seul monde ZAM, non seulement, etc. Bon, c'est d'ailleurs un dossier qui nous fait des études, nous publie dans des documents, mais 80 sont blagues, il y a quand même plus. Et parce que pas oublier que, et Drap dit, situation qui est plus compliquée que nous supposons continuer à étudier. Parce que fondamentalement, c'est un conflit terrien qui est à la base. Alors fondamentalement, ça a passé en roi. Donc ça veut dire que l'autorité étatique, même, faut qu'il y ait une responsabilité aussi. Non, ça a toujours reproduit. Parce que cause fondamentale, faut qu'il y ait abordé. Donc c'est des situations qui complexent notre travail. Nous-mêmes, nous avons plusieurs types de rapports. Il y a des rapports qui publient, il y a des rapports qui ne sont pas publics, il y a des rapports sur le monde. Donc, d'où mon site qui est vraiment chargé, qui a un pile de documents, un pile d'analyses, il y a des questions que nous ne traitons pas nécessairement que nous faisons publication sur eux, il y a des types de rapports que nous partageons avec les institutions, par exemple, une dernière étude que nous faisons sur les régimes de sanctions. Parce qu'en plus, nous n'avons pas les questions, nous estimons qu'il n'y a pas 30 ans pour chercher à comprendre. Donc, nous-mêmes, nous prenons des mois pour nous faire des recherches, pour nous essayer de discuter avec des experts dans plusieurs domaines pour venir pour produire une deuxième étude sur les régimes de sanctions pour nous comprendre la complexité là, qui s'allie exactement. Ce n'est pas des documents nécessairement que nous publions. Donc, je m'excuse que ça, nous-mêmes, dans le cadre, nous faisons travail nous, avec toutes les limites que nous gagnons. Bon, voilà pour l'autre institution, droits humains, mais on connaît tout, mon bail pour nous dire en Haïti. Parce que l'institution de l'Asie, souvent, il y a une mission qui n'est pas nécessairement une mission. Ça a fondamentalement qu'on a gardé. Parce que le monde qui est là pour garantir le droit à l'homme, et c'est là où tu établis bien un état de droit, démocratie et droit humain. C'est l'État. Ou même, nous, comme institution de droit humain, c'est dénoncer. Mais comment on vit dans une situation côté que l'institution est quasiment dysfonctionnelle, où on n'est pas pour aller vers la justice. Il vient vers l'institution de l'assumer. Il fait que nous venons de trop travail pour nous faire. Parce que l'État est tellement affaibli. Donc, du coup, si toi, viens de réfléchir, c'est aller côté institution de l'assumer. Alors que, il n'y a pas ta doué ça. L'institution de l'assumer, tu as une logique de complémentarité avec l'État. Mais malheureusement, on a une situation côté que l'État vraiment lui affaibli considérablement pour toutes les raisons que nous connaissons. Quand il y a travail, nous venons encore plus, nous avons plus de travail à faire. Imaginez pour moi d'avril là, pour une institution de droits humains, pour documenter sur toute zone Forjac, sur toute zone Diègue, etc. Pour documenter sur toute zone Laboule, Thomasin, etc. Pour documenter sur ce mat là, combien on vient gagner tuyau, on vient canapé vert, on gagne toute zone belle, on gagne solino d'elma. C'est-à-dire que travail là ville en pile, mais nous pas oublier que nous c'est institution de base mais qui fonctionne en Haïti, nous gagne tout problème que on pense que pays en gagne problème qui affecte nous parce que nous c'est personnel nous qui travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Donc niveau de vulnérabilité pays il affecte nous tout. Donc ça veut dire que le minimum que nous cap produit c'est apprécier yo et ou même tout, parce que je vous dis, en Haïti, nous avons l'idée dit qu'une institution de droit humain, c'est seulement une institution d'analyse de recherche en droit de l'homme. Pas nécessairement ça. Parce que si vous partez de plusieurs générations de droits humains que vous présentez, ou même qui journaliste, par exemple,
dépendamment du travail qu'on fait, et nous sommes militants, ou sont défenseurs de droits humains tout. Exactement. Donc, défenseurs de droits humains, ce n'est pas seulement les gens qui ont dénoncé dans la radio les violations des droits humains, les tueries, les massacres, etc. Mais c'est tout le monde, parce que là, ma préférée, ma Nations Unies, c'est tout le monde qui travaille pour faire promotion à respect, valeur, à droit, principe, philosophie, qui véhiculait en dedans Déclaration universelle des droits de l'homme, non, qui pourrait être considéré comme le texte de référence en cette matière. Donc, tout le monde est défenseur des droits humains. Donc, c'est nous tous qui avons essayé pour tes contributions, nous, pour nous capables de construire l'état de droit. Mais si nous pas arrivé construire l'état de droit, eh bien, droits humains, par exemple, respecter, en pour exemple, eh bien, attendez, sous la justice qui fonctionnelle, qui j'aime, on n'a pas capable d'avoir accès à la justice. Eh bien, justement, on regarde tout le temps ce que vous avez ajouté là, c'est autour de 80% qu'il y a. Donc, on regarde ce qui est passé dans la prison, on a mouru parce que, justement, on n'a pas d'état de droit. Donc, on n'a pas accès à la justice, on n'a pas prison, on n'a pas de manger, on n'a pas accès aux soins de santé. Ok, donc c'est que vous n'avez pas une situation pour que vous n'avez pas une prison. Mais tout ça, il y a une violation des droits humains. Donc, dans la prison, ce n'est pas seulement vous n'avez pas accès à un juge, mais c'est parce que vous n'avez pas à manger. Vous n'avez pas joué accès aux soins de santé, et bien vous n'avez fait malnutrition, vous n'avez mouru. Donc tout ça a un rapport avec les droits humains. Donc moi, c'est que Nabil pour nous faire, on peut-être pas connaître. J'ai pu essayer avec tout l'Afrique à proposer une série de missions pour nous comprendre, en fait, ça, parce qu'on a été mieux comprendre. Et ça, les droits humains, j'ai que Val comprendre, même Jean-Marco comprendre, même Jean Campagne comprendre. Parce que les droits humains sont un travail qui m'a dit que pour nous tous nous engager, nous la donne pour le respect des droits humains. Donc si ce sont droits humains, il y a tellement. Pas nous travailler pour nous faire et c'est vraiment des conditions difficiles. Par exemple, expliquez-moi comment on va le faire à l'enquête je dis à ce smart là. On va pas on va accéder à zone ça. Donc obligé à utiliser des méthodes pour venir on sait des informations croisées tout ça. Donc c'est extrêmement difficile. Si tu es solaire, mon autre réalité encore. OK? Donc si tu es solaire, toujours des monde qui mourir, gagner le ou gagner plus monde qui mourir, mais toujours des monde qui mourir si tu es solaire entre deux groupes. GPP Genève. Donc à chaque fois, GPP Afrique, et l'Iobis a pris un couloir dans la zone Ipaouer. Eh bien, mais, il y a la partie, je parle la partie nord et la partie sud, eh bien, justement, eh bien, Genève la compte, c'est GPP là. Donc pour GPP la sortie, l'obligé, c'est toujours la guerre pour essayer de créer une sortie que le pas jamais fait. Donc ça, c'est des situations que l'État lui-même a dû résoudre. Il n'y a pas jamais qu'à résoudre lui, parce que l'État n'a pas gagné. Parce que l'État a affaibli l'État considérablement, ça sur le débat que nous faisons. Du coup, nous investissons de la semaine, tout travail à la vie sous dos nous. Donc, moi, pour ce travail-là qui est en pile, non, mais nous, que nous tous, nous devons aider nous faire, parce que le résultat, dans le chercheur, c'est pour nous tous. Mais, bon, moi, donnons, M. Gédéon Jean, et son constat que je fais, et je pense que c'est un pile qui fait constat à tout, organisme droits humains, beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus fonctionnel, les gagnants ont pouvoir élu. Les gagnants pouvoir élu, ou sentiez-vous là? Par exemple, on se parle là de G9 avec GPEP. Ouais, GPEP là, conseil d'organisation, vous n'avez pas de parler de lui du tout. Au contraire, les gagnants goût, mais en deux groupes gangs, vous avez qu'on dit c'est groupe G9 là qui a massacré la population civile. Nan et Belay nan Badelma et ça a été qu'on dit c'est jodi a yo parlé de deux groupes ça yo et jodi a nous senti comme si rapport pas vini et l'aime dit rapport pas vini pas seulement dans période ça qui est extrêmement difficile là mais c'est chaque lègue en transition rapport pas vini quand bon pouvoir élu rapport yo pond tant coup djon ça explique ça. Ok. Et pour le bagage, pour me préciser, parce que c'est de la pauvreté intellectuelle, moi pas habilité pour me parler pour les organisations des droits humains. Donc, c'est une question qui devrait intéresser yo chaque pour que ça. Parce que nous-mêmes, si sont droits humains, il faut qu'ils critiquent nous pour nous garder le travail. Nous. Et c'est normal. C'est ça. Et nous-mêmes, c'est démocratie, la police, c'est état de droit. Et ou même qui sont, et d'autant plus que sont journalistes qui sont analystes politiques qui c'est important. C'est sûr que peut-être que bon bagaille, que bon compréhension que vous gagnez, qui m'a dit pour élucider. Donc, moi, c'est que, on a bien chance de parler avec plusieurs autres pour essayer de répondre à la question que vous posez. Moi-même, je me dis ça que je pense. Maintenant, sur le point de bagaille là,
moi-même, connais que dans le rapport, yo, moi, ouais, que yo parlé de deux groupes, yo. Mais effectivement, yo plus parlé de Genève là. On ne sait pas bien que Genève là, t'as semblé, j'ai bien dit, t'as semblé que l'été, était fédéré avant même que j'ai fait là. Parce que j'ai fait là, t'as semblé que son, c'est en réponse, ouais, à, j'ai pas bien que Gangli, yo en concurrence. Bon, nous faisons des études sur ça. Parce qu'il faut comprendre la particularité de chaque groupe armé qui explique tel groupe tel côté. Parce qu'il faut aller là pour nous comprendre la logique. Là, oui. Donc, il y a des groupes historiquement qui toujours des problèmes entre eux. Historiquement, toujours des problèmes entre eux. Donc, ce peuple-là, tu as semblé que son réponse à Genève-là, donc c'est pour se protéger, etc. Et Genève-là lui-même, à un certain moment, il t'a semblé que il y a deux mouns en d'un pouvoir, pas dit pouvoir, non, il y a deux mouns en d'un pouvoir avant. Qui t'a soutenu empilement pendant Genève là. Du coup, j'ai fait parler même pour renforcer le vin, faire des alliances pour capable de protéger. Ça sont éléments qui est important pour nous préciser. Moi, je pense que l'Institut des droits humains, il fait travail, il fait travail, Mais écoutez, moi, je suis scientifique. Peut-être que le travail qu'a fait que ma dirigeant travail et que je ferai analyser sous tel angle, c'était ma faute d'avoir sous tel angle. Ça, c'est un bagage qui est scientifiquement prouvé. Ça veut dire que je dois avoir une compréhension de tel bagage, c'est ta compréhension de sa campagne. Et ça, c'est nous-mêmes d'ailleurs, quand on travaille sur des thématiques, nous croiser ensemble du regard pour nous, comment on peut jouer juste milieu, parce que un qui on analyse en question, pas nécessairement, c'est un stage à ta preuve. Donc, ça, c'est absolument qui est important. Donc, on travaille que l'on fait. Moi-même, je critique le travail. Peut-être que même d'habitude, je prends sous tel angle. Mais je dois décider, lorsque le cadre de travail, je prends sous. Ça, c'est un deuxième élément. Troisième élément, il m'a tenté, il m'a essayé, il m'a essayé de poter. Mais l'institution de l'humain, moi-même, j'ai toujours constaté et présence. Mais j'en doute, la situation tellement à dégénérer, volume de travail que vous n'avez pas fait, il y a un moment très. Et la réalité a tellement évolué, eh bien, vous voyez que le travail noir, les vignes gagnent, il y a tout moins d'impact, mais le travail là, toujours fait, on ne parle pas de transition qui est comme là. Mais écoutez, moi-même, mon institution, je fais un rapport, mais on est soit sous cette table là, ou bien trois catégories de rapports, ou bien trois catégories de documents, ou bien les communiqués qui ont accédé avec eux, ou bien les rapports d'enquête. Quand je viens accéder avec vous, quand je viens les rapports thématiques, bien des rapports thématiques, vous n'avez pas accès à nous, une solution pour commenter. Donc, travail sous fait, vous dénoncez, etc. Mais, vous comprenez ce que vous êtes capable, peut-être que vous avez des moments tellement que vous voulez apprêter, ou ce que travail à vous fait. Mais, travail à toujours fait. Mais, je dis, l'enfant, vous avez que la situation qui traverse cette société, elle traverse cette situation, et tout. Parce que je fais partie des sociétés civiles là. Mais comme c'est souvent tout, vous velléité pour coincer. Moun ki pran pouvoir, moun ki élu, souvent gen sa dwi. Non, même pas moi, je suis faible. Mais ça me constate. Est-ce que non, moi, je suis faible? Même moi, je suis faible. Parce que pour ça, je suis faible. Comment tu expliques ça? L'on parle de droits humains, son rapport de verticalité, de l'État vers le citoyen. Ça veut dire que c'est l'État qui viole les droits humains pour parler de violation de droits humains. Donc, on croit que lorsque la institution font rapport, les deux responsabiliser l'État, parce que c'est l'État qui est pour les obligations pour garantir tout le monde. Mais d'ailleurs, on a des au-delà de ça. Mais pourquoi je dis à ta dedans, pile rapport sur Ariel? Allô? Et ça va plus fort, et ça va plus là, oui. Est-ce qu'on croit que je dis à ta dedans, paquet de rapport fait sur Ariel Henry, sous Jean l'a dirigé pays? Non, mais il y a un rapport qui fait actuellement depuis juillet 2022, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais il y a un rapport publié. Moi, je suis parti de publier un rapport, oui. Un rapport publié, il y a publié sous problème institutionnel, il y a publié sous la Saline, il y a publié sous Bel Air. Non, sous Bel Air, etc. Il y a un rapport publié. Est-ce que pour y avoir un plus rapport, parce que je ne pas faire un inventaire, son travail de maison bon fait. Mais moi, que j'ai le rapport qui est publié sous transition. Yo. Mais Jean. J'ai le rapport qui est publié sous transition. Mais Jean. Et. Bon, vous autres, vous êtes intéressés. Vous êtes scientifiques. Bon. Est-ce que. Organisme des droits humains, par rapport à ça, vous avez comme mission pour dénoncer, responsabiliser l'État
et nos perspectives pour capable en tout cas et mettre des structures en place, mettre le moyen pour garantir droit mounio. Alors pour l'État qui garantit droit mounio, et est-ce que institution ça yo pas des institutions qui plus et proche de l'objectivité, de la vérité et même de ça m'takabri la neutralité en réalité et mettre Jean. Bon, écoutez, prémisse là et sorti hein, et vous posez mon question, mais sans doute alors pas les positifs comme journaliste, mais vous connaissez qu'institution droits humains hein, en tant qu'institution société civile travailler à l'idée basée sur l'objectivité, sur la neutralité, sur la probité intellectuelle, parce que je m'explique, ça c'est une loi humaine, c'est pas nécessairement comme si uniquement Jean Mounio comprend non, et c'est tel dans là pour la défense des droits humains. Non, droits humains c'est tout ça que me définit. Alors, n'a pas préféré Mounio à déclaration universelle de droits de l'homme, non, cette différence qui définit tout ça que les droits humains. C'est deux textes ça que tout ensemble de convention yo, que soit le pacte international relatif aux droits civils et politiques ou encore le pacte international sur rapport aux droits économiques, donc tout le texte pour le découvrir de déclaration. Donc pour mon gain tout ça que les droits humains aller les 30 articles de la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc vous posez une forme de question, oui bien sûr, institution de fond travail objectif neutre, ça veut dire qui ça? L'un pas les instances ça moi-même, c'est au regard des principes. C'est ça qu'on a dit, au regard des normes. Parce que si tu n'as pas les deux droits humains, qui c'est un branche du droit international général, donc du droit tout court, si tu n'as pas les deux droits, en tant que droits humains, l'on fait constater la réalité. Pour se regarder, pour regarder la réalité, ça, on constate, est-ce que bon texte de loi qui dit que, eh bien, rentre par exemple, le capable de constitution, tout, bien, en texte interne, est-ce que gagner y a un principe qui violé? Parce que si on doit humain, c'est des sales pour parler de violation des droits humains. Parce que vous parlez de violation des droits humains, fort, ok, incrimination, les violer, ok, en convention, en texte, en traité, etc. Que l'État ou a, les partis avec, bon, nous avons quitté le principe parce que nous avons volé un petit peu plus haut pour nous parler de principes qui préétablit, qui établit avant. Convention que n'a pas les mais un bon poche, on va poche qui puisse être parce que là, à l'université, on va parler de l'homme dit est-ce que la situation ça, il constitue une violation d'un traité, d'un pacte, d'une convention que l'État a signé et ratifié, c'est-à-dire un texte que l'I parti à lui-même. Une fois que pour constater ça, eh bien, le ça ou même ou responsabiliser l'État. Mais attention, le n'a pas les deux droits humains qui ont un droit international, le ça, pour responsable, c'est lui. L'État a cadastré le droit de manière immédiate. Non, c'est ça que fait dans la littérature de droit international. Là, je dis il y a des droits qui sont d'application immédiate que l'État a dû arranger pour respecter au Kounia. Par exemple, les droits civils et politiques. Ok, par exemple, les grandes libertés, liberté de la presse, la liberté d'association. Par exemple, liberté d'opinion, le droit de participer aux affaires publiques, le droit de vote, le droit de se porter candidat, réaliser les élections, ça fait partie de droits d'application immédiate. Et puis, il y a les droits d'application progressive, c'est-à-dire les droits socio-économiques et culturels, droit à une alimentation suffisante, droit au logement, etc., droit au sein de santé. Mais attention! Même quand la littérature, vous mettez le constat, mais le principe qui est l'interdépendance, l'indivisibilité des droits de l'homme. Ça veut dire que un droit dépend de l'autre. Un exemple. Le droit à l'éducation, c'est le droit qui est la deuxième génération d'application progressive, en fonction du moyen que l'État a gagné. En gardant le droit de choisir, par exemple, ses gouvernants. Eh bien, un monde qui est mieux éduqué, la plus en mesure pour choisir deux mondes qui sont capables de mieux représenter pour changer les conditions de vie. Alors, c'est une corrélation qui m'établit pour montrer que le droit est interdépendant. Maintenant, lorsque l'État a une responsabilité, oui, nous allons regarder deux bagailles. Pour le moment, nous allons regarder la réalité, ça. Est-ce que son réalité qu'il a, qui est capable de en situation historique, en conditions politiques, etc. Deuxième bagage, nous allons regarder, est-ce que l'État fait des efforts? Parce qu'en matière de droit international, on cherche la bonne foi de l'État. Nous obligeons concours pour nous pas comprendre, c'est vous le bureau. On cherche la bonne foi de l'État. Est-ce que l'État a une bonne foi?
est-ce que l'État a collaboré? Et c'est là où on a dit, est-ce que l'État, lui-même, son l'État qui a fait promotion pour droit monde. Donc, on peut, il faut toujours responsabiliser l'État. L'autre l'État, qu'on y a fort, ouais, monde qui a dirigé l'État. Parce que tout le monde a caché derrière de l'État. Je ne dis pas, moi, non. Par exemple, on va faire une discussion avec campagne en particulier. N'est-ce pas dirigé le pays, il est là. Il va diriger encore aujourd'hui, le pigot dénonciateur. Ça, c'est une blague. Ou tu as dirigé l'État qui sont faits. Parce que sinon, on a tout caché derrière de l'État. L'État, son personne morale, il faut regarder qu'on y a les gouvernants. Donc, le monde qui a dirigé, vous savez, que le président, le premier ministre, directeur général, parlementaire, yo, député, sénateur, etc. C'est moun sa ou ki l'État. C'est moun sa pa pas pour l'État. Faut garder qui sa moun ki fort ki yo fait pour capable d'améliorer la situation. On ne peut pas concret dans le contexte actuel. Je dis à, nous même nous dit ça et nous faisons ça avec GPPC sous scoop. Et nous c'est une rare, dans la première situation, c'est expliquer que priorité population, c'est la sécurité. Ok? Mais et pas sécurité seulement. Parce que je dis, on a une inflation. Lorsqu'on a une inflation de 50%, ça veut dire que grand goût misère abjecte que nous avons là-dedans. Ok. Mais nous disons que tout le monde est d'accord que son constat que sécurité, c'est le premier besoin citoyen. Mais nous d'accord que ça vient là, l'État, ça va capable. Ça a clair, toute analyse au montre. Ok? Donc, mais la police fait des efforts. Par exemple, eh bien, ça passe à la boule là, ça c'est quelque part résultat de effort que la police fait, malgré une police qui est faible, malgré une police qui n'est pas équipée, malgré une police au rabais, pour reprendre l'expression de l'ancien DG Michel-Angelo d'ailleurs, mais la police a fait effort. Donc ce sont des indicateurs qui montrent que l'État fait un effort. Ok, donc ça veut dire que c'est pour nous répondre à la question objectivité, neutralité, position. Oui, ça a de boussole, il y a aussi sur droit jouer parce que c'est un domaine qui régit par le droit. Seulement M. Gédéon, alors. Je vais venir rapidement sur la question de Macron, parce que c'est au régime, d'un régime à l'autre, nous avons comme si certaines institutions de défense des droits de l'homme, vous ne me dites pas tout, mais ont toujours une certaine préférence, selon que c'est X qui est au pouvoir, bon, il n'y a pas trop dénonçable, si vous voulez dire comme ça. Et il y a de l'autre régime, bon, on est plus actif. C'est qu'on est plus actif. Vous attendez, vous parlez de massacre encore. C'est ça, oui, préoccupation. Non, alors, j'aime réitérer ça, moi-même, c'était sur le fait de rapport. Maintenant, on ne peut pas faire des massacres, mais on massacre son tuyau. Parce que je connais que vous-même, vous parlez, parce que je connais qu'on parle de population comme journaliste, ça veut dire que vous mettez en impôt. Citoyen lambda pour parler pour lui. C'est ça qu'un journaliste, bon, pourquoi il aime tellement parler avec nous, ma vie de journaliste tout. C'est du temps. Tout le monde parle pour vous, mais on massacre son violation des droits humains. On tue son violation. Je ne peux pas parler, monsieur, je ne peux pas dire violation des droits humains. Je ne peux pas dire son tuerie. Je ne peux pas dire des décès. Mais tout, c'est juste. C'est qui concept vous voulez utiliser? Parce que c'est pas bon, le concept, tout bagage, faut dire les massacres. Non, on ne peut pas dire massacre, on dit on tue. On tue son massacre, on massacre son tuerie, tout son violation des droits humains. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas arrêter figé en dedans yon bagage. Mais sans exprimer, je comprends très bien, Jean Doulan, je pense que faut faire un tableau, on est belle, on invite tout le monde, je ne peux pas oser parler pour tout le monde. Ouais. Mais moi, je connais que moi, vous faites travail yo, à toute limite que vous avez, par exemple, mal, bon, bagage, mon co. Ou quoi nous est-ce que quand on parce que il y a un problème gaz, d'accord, quand on est tombé. Mais quand on est pas nous tombé tout mettre là. Pas parce que nous avons fonctionné dans des conditions extrêmement difficiles, même j'avoue. Il y a des qui passent. Oui, mais il y a des mêmes conditions, si Jovenel Moïse, mais rapportez qu'on fait quand même. Ça ne pas parler de cadres, non. Je vais te dire, certaines institutions, certains organismes des droits humains, même les pas tout et tout bagay Gaza tu dis qu'on fait rapport yo on va parler de Oudo chef là on va parler de Oudo mais tu tout qu'on fait rapport on pas content de tout non comment nous bagay répond pour yo mais ou content de rapport oui non pas dit ça mais puisque moi-même sur ici sur des droits humains d'ailleurs travaille avec un bon notre organisation de droits humains même quand gain pas nécessairement travailler avec yo l'homme que ça pour me parler sur radio là sous coup c'est tout pays capté c'est le monde capté. Pas de parole, yo, mais il faut me parler pour tout parce que c'est moi-même, vice-versa. Même si tout soit parlé avec Marco dans l'émission qui a fait une critique constructive sur le fonctionnement des médias, Marco
a dit que moi m'pas capable parler pour toute radio, mais depuis le gain chance pour le parler, faut le parler pour nous. Donc moi-même, j'aime dire moi qui au fait travail yo, c'est sûr que travail yo limité, Marco pas trop satisfait, mais Mexico d'abord que yo gain toute limite yo, deuxièmement tout travail tombé sous do yo, troisièmement yo affecté tout par la situation du pays, mais bon c'est que au fait c'est vrai que il y a des périodes qui sont celles qui sont prioritaires. On prend arrivé en 2020, PAD est priorisé, par exemple, les mandats constitutionnels. Sous base ça, quand fait rapport sous mandat 50e législature et 2/3 Sénat qui est allé, quand fait rapport sous le mandat constitutionnel présidentiel, quand fait rapport sur bonne piste d'étude, sur le mandat du dernier tiers du Sénat. Donc, mais chaque organisation fait un travail, pas nécessairement tout. Par exemple, si l'institution fait un rapport sous ce matin-là, pas nécessairement pour me courir faire un tout sous ce matin-là. Par contre, mais qu'est-ce que ça donne des femmes? C'est-à-dire que c'est ça, nous parlons de compétition entre nous. Mais si tu savais, par exemple, et RNDDH souhaite publier un rapport sur le fonctionnement de la justice. C'est-à-dire que moi-même, je dois besoin de bagailles mal pour la même. Pas besoin de faire un tout la justice, tout. Mais tu as besoin d'un aspect que le parti était comme celle. Donc, etc. Ça veut dire que yo fait un travail yo, au CNH, par exemple, c'est juste qui fait du travail sur les mots violents. Mais j'en ne l'ai pas oublié que la situation pays a affecté nous toutes. Mm-hmm. Et je pense que l'émission sont faites là, son belle émission. Ça peut être qu'une institution doit durer à regarder eux-mêmes. Est-ce que par exemple, ce trio là qui nous coince, moi ça j'apprécie énormément. Ah même moi fait des autocritiques là tout pour me garder du moins. Est-ce que eh bien pas gagné un manquement par rapport à Dieu qui nous a poussé travail nous, mais j'aime toujours pas oublier travail au fait. Nous avons des limites, nous sommes institutions qui fonctionnent dans le pays, mais nous pas institution bureaucratique. Marco, on va vous souligner tout. Le faut que son droit humain, vous mettez en face sur les renforcements institutionnels, tout. Parce que vous ne pouvez pas bien ces droits humains sans état du droit. Donc, il faut que nous travaillions pour que l'institution fonctionne. Parce que sinon, vous n'avez pas le parlement, vous n'avez pas la justice, vous n'avez pas élu. Donc, il y a qui vous nous va critiquer. Donc, il faut que nous travaillions pour le renforcement des institutions et vous ne pouvez pas bien l'institution pour nous critiquer, pour nous critiquer dans le sens pour nous faire travailler. Et si monsieur, bravo. Mais c'est que MTC, ça c'est un bas d'une décapante, non? Parce que là, nous comptons, là, on va te connaître pour ça d'avoir le pas d'édition. Mais j'apprécie énormément. Merci, Maître Gédéon. Merci. Voilà, mais ma on a arrivé. Parce que tout déjà là, donc à demain, on va délicieuser. Ouais, 2 minutes, Aldo, oui. Proposé. On vous cantez la parole sous affaire pays dans Haïti Débat. Haïti Débat, c'est un espace qui a produit chaque jour qui joue. Sorti lundi pour arriver vendredi, une parole libre. Une parole pour libérer tout le monde. Une parole en faveur Haïti. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec cette concept.